pour un réveil musclé. Jessica, Romain, de 6h à 9h sur Radio Mont-Blanc. On me redonne ma couronne, voilà, roi du jour. Il est content. Ah bah je... Hein, t'es content? Oui, écoute, on avait dit, Sobrino. Je suis tout simple, moi. Tu me donnes une fève, une couronne, je suis content, je suis plus heureux. Et la fève. Alors, et dis donc, je vais vous donner maintenant des petites infos, insolites, mais pourtant vraies, concernant la galette des rois. Comme ça, ce soir, en partageant la galette, vous pourrez briller en société et épater, pourquoi pas, belle maman. Voici, j'ai quatre infos, écoutez bien. Voici la première. Le favophile collectionne les fèves des galettes des rois. Première info, tac. Cadeau, c'est pour toi Jessica. Deuxième info, 70% des galettes consommées sont des frangipanes. Oui. Hop là, ouais, on consomme plus de frangipanes, oui, que de galettes sablées ou de brioches. Troisième info, à l'origine, dans les galettes, on plaçait une vraie fève, qui ressemble d'ailleurs étrangement aux haricots, hein, c'est de la même famille. Hein. Et ensuite, on l'a remplacée par une fève en porcelaine, plus jolie et moins périssable. Voilà, une quatrième info. Mm-hmm. Allez, quatrième info, vous allez tous pouvoir jouer celle-là, c'est une question. 68%. Compte double. Ah, c'est la question compte double. 68% des mangeurs de galettes le font après avoir coupé la galette. À votre avis, de quoi s'agit-il? Alors attends, répète. 68% des mangeurs de galettes le font après avoir coupé la galette. Ils se mettent sous la table. Ils se mettent sous la table. Pourquoi? Tu m'en joues des galettes. Ah oui, non, pardon, oh là, j'ai l'esprit mal placé. Oh, oh, ah, ah, non, oui, pour tirer la reine. C'est un grand malade, ben oui. Oh là là, bah, non, pas ça. Non, 68% des mangeurs de galettes trichent pour donner la fève aux plus jeunes. Ah bon? Ouais, ça fait du monde, hein. Charlatan, on va. Oui, 68%, on ment et puis on donne la fève aux gamins, comme ça, il est content. Faut que je t'avoue un truc, j'ai triché. Je suis tombée dessus quand j'ai coupé la part et je l'ai mis dans un coin, j'ai mis une carte dessus, je me suis dit ça va être pour Romain. C'est gentil. J'aurais pu la garder pour moi. Mais j'ai pas eu la fève au final. Mais tu rigoles. Ben, enlève ta couronne. Je suis pas un vrai roi. Dans la cuisine. Mont Blanc Morning, plus proche de vous, de 6h à 9h sur Radio Mont Blanc.